Donc, il est 9 h. Bienvenue à tous. Donc, premièrement, on va faire un retour sur la rencontre qui avait lieu là, la dernière fois. Il y a eu le webinaire, puis il y avait aussi un après-cours qu'on avait fait avant. Là, Cathy n'était pas là, là. Daniel Jacques avait animé avec moi, là. On va faire un petit retour par rapport à ce qui avait été dit à cet après-cours-là. Ensuite, on aura des gens de la Commission scolaire des îles qui vont venir nous parler d'un vécu en mathématiques. Ils devraient être avec nous sous peu, là. Ils m'ont écrit que les enfants qui vont être parmi nous, là, ça va avoir le temps. On va aussi parler du pré-congrès de l'AQFGA. C'est notre dernière rencontre avant l'AQFGA. C'est qu'on va vous donner des informations par rapport à ça. Et puis ensuite, on avait divers points qui ont été ajoutés là, par rapport à Pédago Mosaïque. Donc, Karine va nous parler de ça. Et puis, il y a aussi un point sur le suivi des élèves à besoins particuliers en formation à distance. C'est un point que Karine a apporté en début de rencontre. Donc, Cathy, si tu veux faire le retour, je te donne la parole. Bonjour tout le monde, bien heureuse de vous voir ce matin à 9 h avec un café dans la main, je vous le souhaite, ou un thé, ou un verre d'eau, un jus d'orange. Bref, fait que c'est ça. Je voulais faire un retour avec vous un petit peu sur ce qui s'était dit là au dernier après-cours. J'étais dans l'impossibilité de me présenter. Fait que c'est ça, je pense que la rencontre a tourné beaucoup autour de la mesure 3810, une mesure qui est octroyée au secteur jeune. Le retour que j'aimerais faire avec vous ce matin, puis peut-être que ça va être redondant là, pour Karine, mais je pense qu'elle va l'aborder aussi, là. C'est au niveau du transfert des ordinateurs entre le secteur jeune et le secteur adulte. Donc, peut-être comment ça s'opérationnalise chez vous. Est-ce que au niveau des formulaires, qui fait quoi, qui est interpellé? Fait que, Karine, je ne sais pas si c'est pertinent que j'en parle maintenant ou si on en parlera lors de ton intervention. C'est mieux qu'on attende. En fait, mon intervention ne concerne pas du tout la mesure 3810, là. Donc, vous pouvez prendre la parole parce que moi, c'est deux autres projets. OK. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, j'aurais aimé ça regarder avec vous ce matin un peu comment ça se fait, ce transfert-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans vos centres? Est-ce qu'il y a beaucoup de transferts qui se font entre le secteur jeune puis le secteur adulte? Salut Cathy, salut à tous. Salut. Ben, nous, on est un petit centre, fait que ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Dans le fond, l'élève, quand il arrive, il dit au sarcan qu'il avait un portable. Souvent, c'est là qu'on le sait. Et puis, moi, je prends contact avec l'orthopédagogue de l'école d'où il provient. Et puis, elle m'envoie le portable, mais on n'a pas de formulaire encore. On n'a pas vraiment de paperasse là, à remplir. On fait ça très simplement. Puis, à la fin de l'année, elle me demande les portables que j'ai, puis ceux que je veux y renvoyer ou pas. C'est tout toi qui gères ça. La direction Oui. n'est pas nécessairement Non. interpellée. Non, mais c'est à peu OK. près une dizaine dans l'année. C'est pas un gros nombre, là. C'est OK. gérable. C'est bon. Chez nous, ça ressemble à ça aussi. On est aussi un petit centre, là. Est-ce qu'il y a d'autres procédures, des procédures différentes? Puis, Mélanie, vu que tu es là, puis tu as allumé ta caméra, je ne te laisserai pas partir. Les demandes à l'aide financière aux études, est-ce que c'est toi qui les remplis du début à la fin? Comment ça fonctionne chez vous? Avec l'élève, je le fais avec l'élève, dans le fond, c'est moi qui m'en occupe. OK. Il n'y a pas vraiment de personnel de soutien impliqué là-dedans. Oui, Karine? Mais moi, j'aurais une question là, pour Mélanie ou peut-être les autres. Si vous avez une procédure écrite de toutes les étapes, je serais intéressée à l'avoir parce que c'est, tu sais, nous, il y a une partie que c'est nous qui faisons, il y a une partie que c'est la CO qui fait, il y a une partie que c'est l'élève, en fait, là, qui doit faire. Donc, nous, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on a commencé à travailler, mais là, avec les 100 000 projets, il est un petit peu mis sur pause. Mais c'est un petit peu d'avoir un document explicatif là, et pour les parents et pour l'élève et aussi en fait pour notre centre parce que c'est souvent
les choses qui ne se font pas automatiques, là. Fait que s'il y a quelqu'un qui a une procédure, on serait intéressé à l'avoir. Dans ce sens-là, Karine, il y avait. Moi aussi, je travaille un petit peu comme. Je travaillais un petit peu comme Mélanie. C'est moi qui fais le suivi. Puis, j'avais un document de Michel Aymon qui avait été monté par Michel. Puis elle nous l'avait transféré. Je peux le mettre dans les documents d'ici la fin de la journée. Là, je peux mettre ça, le document qu'elle nous avait transféré par rapport à ça. Puis, je pense qu'on pourrait partir de ça. Puis, peut-être le séparer en sections, un document pour les parents, un document pour les élèves. Puis moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est parce que des fois, pour l'avoir fait quelques fois, puis avoir eu des dossiers un peu plus complexes, dans le cas d'un élève qui est atteint de surdité, bien, il faut contacter le SRIEC, puis eux, c'est eux qui vont le remplir. Le Service régional d'interprétariat de l'Est du Québec. Puis, tu sais, il y a toujours des, dépendamment du besoin de l'élève, il y a différentes personnes, différents organismes qui sont interpellés. Fait que, dans ce sens-là, ce serait bien, là, de, comme ce que Karine dit, là, peut-être faire un document explicatif de tout ça. Fait que ça sera les projets pour l'année prochaine. Mélanie, tu vas te charger de tout ça? Je serais preneuse à collaborer pour ça. Je serais preneuse pour rien. Ben pour collaborer, là, c'est sûr. Ça serait intéressant d'avoir un document qui soit déjà fait, qu'on pourrait se partager, là, au lieu de que chacun fasse son document. Ça serait le fun d'en avoir un commun. Écoutez, si vous êtes d'accord, je vais mettre ça sur le site des après-cours, puis on regardera ça. On pourra aussi en jaser à la journée pré-congrès, là, si vous voulez. Super. Merci, Mélanie, pour ton intervention. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter là-dessus? Je vois que nos collègues des îles sont arrivés. En fait, effectivement, là, dans le fond, ça serait pour les demandes AFE en lien avec les ordinateurs ou en lien avec les interprètes et les interprètes, les accompagnateurs. Est-ce que tu parles du formulaire 1088, c'est ça? Bien, c'est en fait, ça fait partie d'une demande à l'aide financière des études, ça. OK. Peut-être qu'on pourrait travailler sur quelque chose. Ben, je dis on, mais peut-être qu'on pourrait travailler sur un document qui pourrait couvrir tout ça. OK. Même temps, est-ce que je suis la seule dans les centres à avoir des personnes interprètes et des accompagnateurs? Nous, on a des interprètes. On est un petit centre, puis on a commencé cette année à avoir un interprète. OK. Parce que c'est super intéressant parce que, tu sais, il y a tout le volet AFE, il y a le volet accompagnement en classe, il y a le volet évaluation. Fait que, tu sais, c'est comme un gros, gros document de travail, là. Ouais. Peut-être qu'on pourrait se concentrer sur les formulaires. Je ne sais pas, là, je discute là, avec vous autres, là. Peut-être qu'on pourrait se concentrer à remplir, tu sais, faire une procédure pour remplir le formulaire, dépendamment des intervenants ou des organismes qui sont impliqués. Puis on pourrait faire un autre quelque chose là, par rapport à la pédagogie pour ces élèves-là. Puis je sais pas. Je réfléchis là, avec vous autres. Moi, j'aimerais bien un document qui engloberait, oui, les demandes d'ordinateur, mais aussi les demandes pour un accompagnateur, comment ça fonctionne. Tout ça, c'est un document qui engloberait plusieurs situations. Là. Comme nous, on n'en a pas en ce moment d'interprète, mais si demain matin, il arriverait un élève, bien qu'avec ce document-là, que je saurais déjà quoi faire. Là, j'aurais déjà un petit guide pour partir. Là. C'est ça, dans le fond, quelque chose qu'on pourrait adapter à notre réalité quand on en a besoin. Un document de référence, dans le fond, hein? Mélanie nous disait, comme je suis CP, je peux faire la demande aux orthos qui sont dans les centres. Par contre, je crois que c'est une procédure qui gagnerait à travailler. Nous avons un centre, Mélanie nous dit, nous avons un centre dans lequel il y a un élève sourd. Fait que, tu sais, oui, Karine, je pense que c'est quelque chose qui touche plusieurs centres. Fait que ça mériterait là, d'être discuté puis de travailler là-dessus peut-être plus l'année prochaine. Fait
Fait que moi, je vais vous partager le petit document que Michel avait partagé l'an passé, puis on pourra partir de ça par la suite là, pour élaborer un document de référence par rapport à tout ce qui englobe la FE, là. Est-ce que ça vous va? Excellent. Ah, c'est fun. OK. On est rendu au partage de vécu en mathématiques. C'est vous autres, ça, les îles de la Madeleine. Comment allez-vous? Ça va bien, vous autres aussi? Ben, ça va bien, ça va bien. Bon. Mais malgré tout, vous êtes les deux. Michel, toi, t'es aux îles, mais d'habitude, t'es à Matane. Non. Salut, Cathy. Je suis à Gaspé. Je couvre le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Ah, OK. Bon. Ben, merci d'être là. Ben, peut-être juste avant, là, Michel, tu peux nous présenter. C'est l'orthopédagogue qui est avec toi. Hein? On n'a pas son nom. C'est ça, là. Ben, bonjour, mon nom c'est Sylvie Thorne. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui, faire ce partage de collaboration avec la professeure de mathématiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ça fait 26 ans que je suis à l'éducation aux adultes, aux îles de la Madeleine. J'ai beaucoup d'expérience au niveau de l'enseignement au primaire, secondaire et de l'éducation des adultes. Donc, mon 26 ans m'a permis d'aller chercher une expertise qui, je crois, m'aide énormément dans le développement du service en orthopédagogie au CFA. Je suis toujours très passionnée, même si je partage mon temps, mes énergies, mon dynamisme entre le primaire et le secondaire. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Il me reste à peu près 4 ans. Là. Après ça, je prends ma retraite. Donc, je pense qu'elle va être bien méritée. Ici aux îles, on dit souvent ce petit patois-là que c'est pas pareil. Moi, je me considère chanceuse parce qu'aux îles de la Madeleine, on est un petit centre. Je crois avoir développé un beau lien, une belle collaboration avec Lise, Jocelyne qui est l'enseignante de français, Lise qui est l'enseignante de mathématiques. Cette année, j'ai eu une demande de ma CP d'essayer de la libérer un petit peu, elle, parce qu'elle avait beaucoup de dossiers à danser dedans. Fait qu'elle m'a demandé, elle m'a approché, puis elle m'a demandé de m'investir un petit peu plus auprès de la prof de mathématiques qui, elle, se sentait un petit peu fragilisée, éloignée des autres profs de mathématiques, puis comme en manque de connaissances sur certaines notions en mathématiques vis-à-vis le nouveau curriculum. Donc, puis c'est pour ça aujourd'hui que je trouvais intéressant de vous présenter ce qu'on a pu constater là, dans le travail de notamment de Sylvie, mais aussi de l'équipe qui est autour d'elle. Donc, moi, je suis Michel Lacasse, conseiller pédagogique pour le CFGA en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Puis aujourd'hui, vraiment, on veut vous parler de la collaboration orthopédagogue, enseignant-enseignante, conseiller pédagogique et directeur. Donc, la présentation va comme suit. Faites-vous-en pas, il pourrait y avoir une période de questions plutôt à la fin. La présentation également va vous être rendue disponible également suite à notre présentation. En fait, la collaboration, juste pour faire référence un peu à la collaboration orthopédagogue-enseignant, faire référence à une étude là, qui a été publiée quand même assez récemment, là, un rapport de recherche qui porte le nom de étude des rôles des enseignants, des orthopédagogues et de leur collaboration en contexte d'implantation du modèle de RAI aux primaires. Mais en fait, ça consiste à vraiment créer une vision pour développer là, les capacités à éduquer tous les élèves. Puis, dans ce même rapport de recherche-là, on souligne que la compétence à collaborer est présente dans nombreux référentiels, dont celui de la compétence pour une maîtrise professionnelle en orthopédagogie, également celui des compétences professionnelles à l'exercice de l'orthopédagogue au Québec de la DOC, mais aussi dans les référentiels de compétences, par exemple, des directeurs d'établissement scolaire. De celui des conseils pédagogiques, de celui des enseignants également. Donc, la compétence à collaborer fait partie des compétences professionnelles inévitables dans notre métier de l'éducation. Donc, il y a plusieurs avantages à collaborer là, qui ont été soulignés dans la recherche.
dont celui de répondre vraiment aux besoins puis de diminuer le taux de référence d'élèves en orthopédagogie. Également, ça améliorerait la réussite des élèves qui sont en difficulté. Et la collaboration enseignant-orthopédagogue améliorerait les interventions de l'orthopédagogue, notamment parce que dans certains cas, les enseignants sont connaissants de leur matière, puis ils sont des experts de leur matière et également de la pédagogie, et l'orthopédagogue peut en bénéficier de cette expertise-là. Quant aux obstacles, il peut y en avoir. Notamment, on souligne qu'il peut y avoir parfois un manque de temps, d'espace, de soutien de la part de la direction. Ça, c'est vraiment ceux qui seraient les principaux obstacles à la collaboration. Mais également que dans certains milieux, les gens, au lieu de collaborer, travaillent plutôt de manière isolée, en silo. Dans le rapport de recherche, il montre quelques pistes de réflexion, quelques questions en fait, qui ont été utilisées pour faire des entrevues auprès d'orthopédagogues et enseignants que je trouvais intéressant de vous montrer. Il y a d'autres résultats de recherche qui sont intéressants que j'ai mis en annexe à la fin. Je vous inviterai à aller voir là, quand vous allez en avoir l'occasion si vous êtes intéressé, mais que je ne pourrais pas vous présenter ici parce que c'est un petit peu dense. Là. Mais par contre, je trouve intéressant de voir que quand on parle de collaboration, on peut se questionner à savoir, bon, est-ce qu'on a des exemples concrets de ce qu'est un travail collaboratif avec un enseignant, un orthopédagogue? Quels sont nos rôles? Est-ce que c'est paritaire dans la manière qu'on agit? Est-ce qu'on connaît bien nos attentes et est-ce qu'on communique bien aussi dans tout notre processus de collaboration? Et dans le rapport, il y a aussi des grilles d'observation que je vous invite à aller voir qui pourraient être probablement adaptées à vos besoins, c'est-à-dire pour planifier ou pour consigner ce que vous avez fait comme orthopédagogue. Donc, à ce sujet, prochainement, soit le 23 mars de 13h10 à 16h10, il va y avoir présentation de 3 projets de recherche, dont celui-ci. L'inscription est gratuite, mais obligatoire. Donc, vous allez avoir l'hyperlien dans la présentation si vous voulez aller vous y inscrire. Maintenant que le pourquoi, on sait qu'il faut collaborer, comme tu disais, Sylvie, tu collabores beaucoup. Oui. Oui, exactement. Ce qui est avantageux pour moi, c'est que tantôt, je vous disais que ça faisait 26 ans que j'étais à l'éducation des ADU. Donc, j'ai commencé pas mal en même temps que Lise aussi, comme professeure de mathématiques. Évidemment, ça fait pas bien des années que le service en orthopédagogie existe ici aux Îles-de-la-Madeleine, en formation générale aux ADU. Ça fait peut-être 4-5 ans. Au tout début, j'ai commencé, j'avais à peu près 2 heures en orthopédagogie qui m'étaient accordées par ma direction. C'est pas beaucoup, là. 2 heures pour aller observer en classe, tenter d'aider les profs, rencontrer les élèves, faire mes bilans. Je trouvais ça époustouflant. Mais d'année en année, avec la belle collaboration avec ma direction, avec ma CP qui est rentrée en place aussi, Céline, ça fait très peu de temps qu'elle est conseillère pédagogique. On a eu quelques rencontres, puis on a tenté de peaufiner le travail de l'orthopédagogue dans le centre. Qu'est-ce que ma direction, elle attendait vis-à-vis une orthopédagogue dans son centre de formation? Donc, sa demande à ma direction depuis à peu près 3-4 ans, c'était « Sylvie, on t'engage, mais on veut que tu puisses aider. On sait que tu as développé une expertise en français, en maths, en anglais. On veut que tu partages tout ce temps-là en orthopédagogie, de façon individuelle, dans ton bureau, puis de tenter d'aider les élèves, puis de les faire progresser. Donc, on m'avait accordé de 2 heures à 3 heures par semaine, il y a de ça 3-4 ans. Cette année et l'année passée, j'ai un 22 heures qui m'est accordé, moyennant un petit contrat. Bon. Ça, j'en étais vraiment fière, j'étais contente parce que je ne me sentais pas comme une poule pas de tête qui ne sait pas où se lancer dans les dossiers des élèves puis pouvoir vraiment les amener vers la réussite. Ça, c'était ma plus grosse préoccupation. Depuis 3 ans, je travaille beaucoup plus relax. Je peux rencontrer les élèves,
J'ai une belle flexibilité qui m'est accordée, une latitude de ma direction, de ma CP, une très belle collaboration avec eux, autant avec eux, avec ma direction, ma CP, que les autres enseignants. Lise, je la connais depuis plusieurs années, donc ça, ça a facilité le lien qu'on avait développé, moi puis Lise, en tant qu'enseignante. Ça nous a pas empêché, même si je suis devenue orthopédagogue et enseignante, en anglais toujours, à 6 heures semaine, ben, ça ne nous a pas empêché de continuer à développer ce lien-là qu'on avait, puis de le développer encore plus pour permettre aux élèves d'avoir comme plus d'aide possible. Là, en classe, moi, je me déplace. Je suis très dynamique, donc à la minute où je n'ai pas d'élèves en individuel, qui ne se sont pas placés de rendez-vous avec moi, je ne reste pas dans mon bureau, je ne suis pas capable. Donc, je me déplace, je m'en vais en classe de maths, surtout en maths. Je me gêne pas, je m'en vais voir les élèves pendant que Lise est en train d'expliquer à peut-être un petit groupe d'élèves qui sont toutes dans le 42-72. Moi, je fais le tour de classe, puis je m'assois à côté des élèves, je m'invite à côté d'eux autres, puis où c'était rendu, qu'est-ce que tu fais, peux-tu m'expliquer telle affaire, là, je joue à un peu la niaiseuse, celle qui sait rien, pour les faire parler. Donc, j'utilise un petit peu l'enseignement explicite. J'essaie de modéliser à travers tout ça, puis je sens que ça aide les élèves. Dans la classe, je sens que les élèves, ils comprennent mon rôle plus. Ça a enlevé, ça a diminué, ça a abaissé même pour dire enlevé la barrière de gêne, là, tu sais. Le fait que je vais en classe, donc ils ont appris à me connaître, ils savent comment je travaille, ils savent que je suis très exigeante. Moi, je peux travailler autant sur la gestion de classe, là, Lise, elle me laisse toute la latitude, là. Si je veux intervenir, si je vois qu'il y a un jeune qui perd son temps, qui n'a aucun rythme, qui est à l'étape zéro, là, on ne pousse pas le crayon ni rien. Là. Je m'en vais m'asseoir à côté de lui, je fais un petit peu d'humour, puis j'arrive toujours à le faire progresser. Ça, Lise, souvent, elle en est comme fière, puis elle l'apprécie beaucoup, elle me le dit souvent. Tu sais, elle va sortir de sa classe, puis elle va venir me voir, puis elle va me dire, mettons, Sylvie, je suis contente que tu aies sorti tel élève, que tu l'aies apporté dans ton bureau parce qu'il a réussi à faire sa feuille de notes. Tu sais, les fameuses aides-mémoires, là, que l'élève doit préparer, mais tout seul, devant une feuille, elle reste blanche pour la plupart du temps. Puis Lise ne réussit pas à les faire préparer ces fameuses aides-mémoires-là. Mais moi, je les rencontre en individuel, puis je prends leur cahier d'apprentissage, puis là, je leur pose plein de questions. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu aimerais placer sur ta feuille aide-mémoire-là pour m'assurer que quand tu vas arriver en examen, là, que tu n'aies pas un blanc de mémoire et que tu te dises, oh, j'aurais dû mettre ça sur ma feuille mémoire. Pour que ça t'aide vraiment. Puis, en tout cas, jusqu'à ce temps, ça fonctionne. Au début de l'année, Lise était très inquiète, la prof de maths, elle était très inquiète parce que c'était tout nouveau, le 42-72, le 41-53, le 41-52 en mathématiques. Moi, c'est un peu mon dada. Quand j'étais à l'université, j'adorais les maths. Fait que quand les élèves viennent me voir, ben, je peux les faire progresser là où ils sont rendus, puis là où il faut qu'on les amène. Fait que je me sens vraiment sécure là-dedans et vraiment à l'aise. Lise dit des fois par joke, j'espère que c'est une joke, là. Bientôt tu vas me remplacer. Alors, moi, je m'empresse d'y répondre que ma retraite s'en vient dans 4 ans, là. Puis que j'aimerais ça, rester avec mon petit dada, l'orthopédagogie, puis mes cours d'anglais. Donc, on sent que depuis le début de l'année, par mes interventions indirectes, avec Lise, donc c'est pas dans le cadre de porte là, qu'on fait ça. On fait ça souvent, Lise, elle vient au centre, elle n'a pas nécessairement de cours. Moi, je me déplace de mon bureau en orthopédagogie, puis je me permets d'aller jaser avec elle dans sa classe. Un peu comme Michel, quand il vient aux Îles-de-la-Madeleine, il prend le temps. Tu sais, aux îles, c'est pas pareil. Il s'assoit à côté de nous autres et nous explique, mais moi, j'applique la même chose avec Lise. Fait que chaque petit moment ne sont pas consignés nulle part. Mais Lise, elle en est consciente, puis moi aussi, qu'on s'est rencontrés, qu'on a parlé des cas d'élèves, les élèves en difficulté, les élèves qui n'avancent pas. Puis moi, je m'engage dans la semaine à aller rencontrer ces élèves-là. Fait que je trouve que ça va quand même bien. Puis ça aide Lise aussi à contrer l'isolement. Tu sais, on parle beaucoup que les profs de mathématiques, en tout cas, ils se sentent isolés, ils se sentent dépourvus. On parlait justement cette semaine, mon puis Michel, d'une notion mathématique,
Congruence. Non, non, pas la congruence. Attends, on les mêlés encore aujourd'hui. Hein, c'est la conjecture, que j'appelais finalement la conjoncture. Mais c'est la conjecture. Fait que là, on est en démarche. L'ACP, Michel, moi, la prof de maths. On va essayer de démystifier ça pour pouvoir le vulgariser aux élèves là, qui sont très stressés vis-à-vis l'examen où ce qu'on demande un numéro là, avec cette fameuse conjecture-là que Lise n'est pas très confortable avec. Fait que j'aide autant l'enseignante de maths depuis le début de façon indirecte, de façon directe, en classe, en individuel, afin qu'elle en arrive à ne pas percevoir, comme Michel le dit très bien, là, cette but de notion mathématique, parce qu'aux îles des montagnes, on n'en a pas. Mais on a des buts, puis on en a en masse. Ça fait que pour que Lise en arrive à concevoir cette but des notions mathématiques, là, difficile, là, très difficile à atteindre pour elle et pour ses élèves. Fait que moi, je joue là-dedans, puis c'est un beau défi pour moi. Ça ne m'enlève pas mon dynamisme, j'adore ça. Ben, toute cette belle collaboration-là qu'on a en classe, ben, ça permet de voir un sentiment aussi, que je dirais un grand sentiment d'appartenance de la part des élèves. Ça, c'est très important. Oui, on doit développer le lien d'attachement avec les élèves, mais on doit aussi le développer avec les enseignants. Puis quand les élèves y sont, qu'on forme une équipe, là, ben, ils embarquent facilement là-dedans. Moi, c'est ce que je remarque, c'est très, très passionnant. J'apprends énormément en allant en classe, comme Michel le disait tantôt, là, il y avait un petit picot là, il a dit là, que tu apprends de l'expertise de l'enseignante. Puis ma direction, mon directeur, il me dit souvent, Sylvie, hey, je suis fière de toi. Depuis l'année passée, depuis 2-3 ans, là, je sens que tu as développé une expertise au niveau des notions mathématiques. Tu sais, j'étais bonne, mais là, je pourrais dire que oh, je m'en viens pas pire pantoute. Fait que c'est ça. J'ai une bonne connaissance sur le contenu à être enseigné. Puis, comme déjà mentionné, je crois, là, le soutien et l'aide en classe aident à réduire l'isolement de l'enseignant. Puis, je suis vraiment chanceuse, en tout cas. J'aimerais terminer comme ça, en disant que je suis vraiment chanceuse, puis ainsi que les enseignantes de mathématiques, car notre direction, là, depuis à peu près, je dirais 3 ans, là, m'invite fortement à offrir ce service-là, là, ben, à tout le monde, at large, afin que les élèves qui ont de grosses difficultés, qui ont des particularités, ben, qu'ils ne se sentent pas stigmatisés. Puis je vous dis, là, ça marche à l'éducation des adultes. Je vends ça, là. Non. Fait que finalement, mes connaissances sur le contenu en mathématiques à enseigner, puis avec l'enseignante de maths, elle bénéficie de tout ça. Puis, en retour, ben moi, je bénéficie de ses connaissances. Elle bénéficie de mon expertise dans la matière, puis aussi de mon expertise au niveau de la gestion de classe, puis surtout le nouveau curriculum là, qu'on met en place depuis à peu près 2 ans. Yes, sir! J'aimerais vous dire aussi que, comme si bien expliqué Sylvie, que j'ai pu les voir interagir Lise qu'on voit à l'écran avec Lise et Sylvie, en fait, qu'on voit ensemble, alors que je les accompagnais comme conseiller pédagogique à l'intégration des technologies dans l'utilisation d'une technologie qui sert à aider à apprendre les mathématiques, donc qui s'appelle Desmos. Apprendre les mathématiques autrement, là, autrement, de façon plus dynamique. Oui. Puis j'aimerais qu'on la regarde ensemble. Puis, en fait, pour vous mettre en contexte, Sylvie, pourrais-tu m'expliquer? Pourrais-tu expliquer aux gens les rôles que vous jouiez chacun l'un l'autre? Ah, ben oui, certainement. Certainement. Moi, je m'étais positionnée dans le rôle d'un étudiant ou d'une étudiante qui ne maîtrisait pas tout à fait les notions, mettons, du 41-53, je crois. Partie algèbre, la droite, le taux de variation. Fait que je faisais comme si je ne connaissais rien. Fait que j'essayais d'amener Lise à expliquer qu'est-ce qui se passait dans sa tête pour qu'elle puisse, elle, réussir à comprendre et à réaliser le problème en question. Hein? C'est un peu ça? Ben, c'est tout à fait ça. Vous allez écouter pendant un petit 2 minutes. Je vous invite à peut-être monter le volume du son. Donc, c'est parti. Faut que je parte de mon étoile et que je monte. Fait que je dirais qu'elle est de 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5. 2 sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que ça serait quoi? Ça serait 2 sur 5? 2 sur 5. OK, on va écrire ça. Mais là, si elle est négative, faudrait-tu bien que je mette moins 2 sur 5? Ah, c'est beau! Oui. C'est vraiment ce qu'il fait. Moins 2 sur 5, ça serait mon taux de variation, ça serait ma pente. Et Y, mon taux de variation, Y. Là, c'est moi qui me trompe. Attends un peu. Moins 2. 2, 6. Oh, pareil. C'est une deux pièces qui apparaît ici. On va avoir besoin de tout. Ouais, par contre, vas-y, mec. On va avoir besoin de tout pour l'écrire là-dessus. Puis l'efface au complet. Non, efface-le au complet, puis recommence. Efface-le au complet, puis recommence. C'est ma première étoile. Là, tu pars de zéro. Je pars de zéro, fait que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 6. Es-tu sûr que c'est 5 ou c'est 6? Ben, c'est 5. Si je prends un peu, 5, ça serait 5. Ta petite étoile, là, elle est sur le 5 ou sur le 6? Elle est sur le 6. Ah! OK. Fait que ça ferait plus 6. C'est ça. Plus 6. Oh là, on aurait dû monter en haut. Oh, pas l'air. Oh! Ben moi, ça, c'est juste pour le problème du clavier. Du clavier, OK. Fait qu'on efface plus 6. Ah! Ça le 6 est correct, mais celui-ci n'est pas correct. Celui-ci n'est pas correct, ça va aller. Ça, c'est mon problème avec le clavier. C'est pas un problème de mathématiques. Bon. Et là, si on allait sur l'ange pour lancer la balle, voir si la balle va toucher à toutes les étoiles. Ça marche! Bon, ben, je pense, Lise, que j'ai compris. Ouais. Je pense que... Donc, je ne sais pas si, comme vous, vous remarquez, si comme moi, vous remarquez qu'il y a une belle collaboration entre ces deux enseignants. Je dois dire que ce n'était pas planifié. Tout ça s'est fait de manière spontanée et naturelle. Et j'ai pris la vidéo sur le vif, et ce qui m'a permis de constater plusieurs choses dont j'ai été témoin, en fait, c'est que qui m'a amené aussi à réfléchir sur mes propres pratiques d'accompagnement en conséance et de voir l'importance de la collaboration, c'est de voir que lorsque un oncopédagogue et un enseignant apprennent quelque chose ensemble, ils peuvent après en rediscuter afin de voir, là, puis afin de se rappeler mutuellement ce qu'ils ont appris, ce qui permet notamment d'être peut-être moins nerveuse, d'essayer de faire des erreurs, de moins avoir peur de faire des erreurs également, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider en cas de souci. Aussi, c'est valorisant parce que l'un l'autre, vous êtes comme devenus un peu des experts, puis vous étiez capable, des complices de partager ce que vous aviez appris. Donc, chacun l'un l'autre, vous étiez capable de vous aider dans vos nouveaux apprentissages. Pour moi, comme conseiller pédagogique, je peux dire qu'à partir de ce moment-là, j'aimerais le plus souvent possible, lorsque j'accompagne une personne, ben, m'assurer que peut-être de mettre deux personnes en même temps, d'accompagner les personnes, mais en paire, en binôme. Ce qui va permettre d'avoir une meilleure rétention de mémoire collective, puis éventuellement de créer des belles collaborations comme ça qui vont, se répercuter sur le ce qui va avoir été appris, mais sur tous les autres aspects du travail de l'orthopédagogue, l'enseignant, puis de l'équipe école en général. Là. Donc, pour moi, c'est très riche. On a aussi pu constater que la collaboration avec le directeur fait partie de l'équation, et ça d'une manière quand même très importante. Comme je le répète, la collaboration fait partie de nombreux référentiels de compétences professionnelles, dont celui des directeurs, directrices d'établissements scolaires. Mais on parle aussi d'une culture, d'un climat d'école, on parle de complicité qui doivent être encouragées, stimulées par différentes manières, notamment en libérant d'ouvrir les portes entre la porte de l'enseignant, celui du bureau de l'orthopédagogue, mais aussi celui du bureau de la direction, puis de créer des moments où chacun va pouvoir se rencontrer afin de discuter. Pour prendre l'exemple du centre où nous sommes en ce moment, quelques images de ce qui est utilisé, notamment par le directeur, afin de favoriser une
collaboration avec toute l'équipe. Je te laisserai en parler. Ouais, OK. Oui. Merci, Michel. Tout d'abord, moi, quand j'ai été engagée ici, Donald, c'est un directeur qui est beaucoup basé sur la performance de nos élèves. Donc, faut que ça arrive à un certain résultat. Faut pas dormir sur le crayon. Fait que moi, on m'avait demandé, Sylvie, si tu pouvais avoir des outils que moi, je pourrais m'y référer quand j'ai pas des CP, mais des CCG, des rencontres avec ma directrice générale. Je peux lui montrer, regarde, mettons, ma directrice, ce qu'on fait, nous autres, à la semaine, parce que moi, ce que vous voyez à l'écran, c'est des outils de travail. Je confine à chaque année de façon hebdomadaire mes rencontres avec chacun de mes élèves. Donc, les gros cartables que vous voyez en haut, là, c'est marqué profil des élèves. Ça, je bâtis ça à chaque année. À l'intérieur, il y a le nom de chacun de mes élèves que je vois. Tous les élèves, en fait, qui fréquentent le centre et qui viennent chercher de l'aide en ortho. Puis, je les rencontre une première fois. Je remplis un profil de l'élève. Suite à ça, au bout de chacune des semaines, à tous les vendredis matins, j'ai un autre tableau que vous voyez, là, Michel vous le montre avec le curseur. Ça, c'est un tableau périodique où je rentre le nom de l'élève, la date où il a commencé, le nombre d'heures de rencontres, puis le nombre d'heures de ces rencontres-là, si le DEP est acquis, quand, le nombre d'unités qu'il a été cherché, mettant dans sa semaine s'il a fait des examens. Il est-tu en continuité? Il a-tu abandonné? Il a-tu fait fermer son horaire? Il provient-tu du CLE, etc. Puis pour lui, pour ma direction, ça lui permet d'avoir une belle visibilité, en tout cas, sur ce qui est fait à la semaine. Puis, à la fin de l'année, on se rencontre toujours. Moi, je présente mon tableau, mon premier tableau que Michel vous montrait en haut. Puis, Donald, lui, il fait ressortir, à partir de son ordinateur, le nombre moyen de rencontres par élève. En orthopédagogie, il adore les graphiques. Lui, ça lui parle plus que moi, mettons. Mais puis là-dedans, il confine, mettons, de 2018 à 2019, de 2019 à 2020. Lui, il va rentrer une autre ligne brisée, merci. Puis là, ça va montrer des années. Puis là, il fait un comparatif d'une année à l'autre avec le service en orthopédagogie, avec ce que ça peut apporter aux élèves. Au niveau des rencontres, bien là, ça a augmenté. Au lieu de juste rencontrer un élève une fois, bien là, je m'organise pour m'ajuster à travers mes semaines puis pouvoir le rencontrer plus de fois, autant en français qu'en mathématiques qu'en anglais, pour lui apporter mon aide. Donc, je sais qu'il adore ce tableau-là. Donc, ça, ce sont mes outils de travail. Puis, celui-ci aussi. Oui, puis les élèves avec adaptation. Donc, celle qui s'occupe des SARCA, du service d'aide et d'accompagnement, c'est Ginette Poirier. Elle a besoin de ce tableau-là qu'on appelle élèves avec adaptation. Moi, au début, quand les élèves proviennent du secondaire, puis qu'ils ont un dossier d'aide qui nous parvient à l'éducation des adultes, moi, j'ai comme une semaine ou deux où je consulte les dossiers attentivement, puis je crée ce tableau-là que j'envoie en salle des examens, parce que c'est pas moi qui est toujours en salle des examens. C'est plus Ginette, la Madame Sarka, qui s'occupe de surveiller. Donc, elle se sert de cette feuille-là pour savoir quel élève a quelle adaptation, puis etc. Donc, c'est vraiment des outils très, très, très pratiques. Donc, n'hésitez pas à partager l'enregistrement de cette vidéo-là à vos directeurs, conseils pédagogiques, personnes du SARCA également, pour peut-être les inspirer à avoir une belle collaboration au sein de l'équipe école. C'est ce qui conclut notre présentation. Oui, Daniel, tu peux prendre la parole. Ben écoutez, moi je suis vraiment impressionnée par la complicité, vraiment par l'ambiance de bienveillance que vous dégagez dans votre présentation aujourd'hui, mais tout ce qui se dégage aussi du travail qui est fait en collaboration avec les enseignantes là-bas, ça me donne envie de déménager. Vraiment là, je suis impressionnée, je n'ai que des bons mots pour ce travail-là. Et pour la façon de le transmettre également, il y a plein de choses qui se vivent partout, mais Sylvie, vous avez été extrêmement expressive, vous êtes contagieuse dans le bon sens du mot, là. Vraiment, quelle belle personne vous êtes.
je comprends évidemment que ça fonctionne bien avec tout votre monde. Là, vous êtes d'une ouverture d'esprit, d'une gentillesse. On a envie vraiment d'aller travailler avec vous, ma chère. Je suis certaine que ça se vit ailleurs et ceux qui le vivent, là, qui vivent des belles expériences comme ça, mon Dieu, dépêchez-vous de nous les partager de cette façon-là. Ça fait tellement de bien dans une journée. Et ça doit faire du bien à vos élèves, Dieu, que ça doit les aider. Hey, merci beaucoup de votre intervention. Là, je suis tellement énervée que je ne me rappelle pas de votre nom, que je ne le vois pas à l'écran. Daniel. Daniel, Madame Daniel, merci beaucoup. Ça fait tellement de bien ce que vous dites. Ça fait des années là, que j'ai le goût de partager tout ça. C'est rare que je prends le micro, c'est quelque chose qui m'énerve, qui me stresse. Pourtant, j'ai déjà fait bien du théâtre. Mais je me sens toujours comme ça quand je rentrais en scène. Tout le temps cette nervosité-là. Puis je dois vous avouer que des fois, j'arrive devant un élève, puis je suis exactement dans les mêmes émotions. Puis je le dis à l'élève, je le verbalise. Ah, écoute, ce matin, je suis vraiment nerveuse. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'habite, mais ça va se replacer. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Fait que là, je switch tout de suite. Mais pour mon travail, en tant qu'orthopédagogue, j'en suis vraiment fière parce qu'à l'éducation des adultes, ça n'existait pas il y a quelques années. Fait que nous avons des orthopédagogues qui prenaient du primaire, qui faisaient du super de bon travail, du secondaire, mais qui n'ont pas eu le temps de passer assez de temps à l'éducation des adultes pour pouvoir s'ajuster à ce monde-là. Puis moi, ben, je l'ai eu, cette opportunité-là. Puis je le souhaiterais à plein d'autres orthopédagogues. Fait que merci! Ben, en fait, Sylvie, là, il est trop tard parce que le QILGA, il est canné pour cette année, mais avant que vous puissiez pour votre retraite, il faut vraiment venir donner un atelier et nous raconter ça. Bon, vous allez devoir gagner le cœur de Michel pour qu'il puisse m'accompagner parce que avec lui, je me sens en toute sécurité. C'est correct. Le cœur a gagné. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Bon. Wow! Rosine, c'est pas pareil! Oh, wow! Bon. Avez-vous d'autres questions? Oui, ben moi j'ai pas de questions. Moi, je pense que tout le monde abonde dans le même sens que Daniel. C'est une belle découverte, le tornavirus, là. Comme, c'est qui a marqué ça? C'est-tu Annick ou Richard, là? Le tornavirus. Le tornavirus. Wow. On va lâcher le coronavirus à un bout, là, puis on va y aller dans le plus positif. Je trouve ça vraiment bien. Ben, merci beaucoup pour ce partage-là, puis je pense que c'est ce qu'on souhaite beaucoup comme collaboration, puis on voit, je pense que dans nos milieux, on a les deux. On a des collaborations qui sont bien positives comme ça, puis qui sont basées sur la réussite de l'élève. Puis on a des collaborations qui sont un peu plus ardues, où c'est plus difficile de travailler avec des pratiques semblables. Puis on voit que ce qui émane des pratiques comme ça, puis d'une collaboration comme ça, c'est juste du positif, là. Fait que ça fait du bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Fait que j'espère qu'on va se revoir. Puis écoute, Sylvie, moi, je te relance aussi parce que je voulais mentionner ça. Aujourd'hui, c'est notre dernier après-cours des orthos pour cette année. Puis moi, je ne reviendrai pas à la barre de l'animation pour l'an prochain. Ta-ta-da! Fait que moi, ben. Non, c'est ça, fait que, tu sais, je sais pas, Karine Jacques, des bouts, je sais pas si il y a quelqu'un qui serait intéressé à prendre la relève ou, tu sais, si vous voulez, ben peut-être pas toute l'année, mais tu sais, on peut diviser les rencontres, une thématique par personne ou, tu sais, s'il y a des gens qui sont intéressés, moi, je peux donner un coup de main pour vous aider à organiser ça, puis... Annick, je ne sais pas si toi, tu pensais revenir pour les après-cours pour l'an prochain. Accompagner, là. Je ne suis pas l'animatrice officielle, là, parce que ce n'est pas mon métier d'être ortho, là, mais oui, j'accompagnerai certainement la personne là, qui sera à l'animation, avec plaisir. Puis ça, je peux juste vous dire que d'avoir Annick qui s'occupe
qui est à son affaire, qui est super organisé, puis qui donne un méchant coup de main pour la logistique, là, ça nous en enlève de sur les épaules. Puis côté temps, c'est pas si prenant que ça, parce que je pense que la communauté en orthopédagogie est une communauté très ouverte. Puis les gens sont axés beaucoup sur le partage, fait que il y a toujours quelqu'un pour discuter. Puis le but des après-cours aussi, c'est vraiment d'échanger sur nos réalités, puis de briser l'isolement. Fait que je veux dire, tu sais, comme ce matin, on avait des choses en place, mais pas tant que ça, puis ça s'est alimenté tout seul avec la discussion. Là. Fait que c'est ça, je vous invite à me contacter moi ou contacter Annick si vous voulez regarder ça peut-être, si ça vous intéresse l'année prochaine, là, si vous voulez avoir des détails. Parce que ce serait le fun que ça continue. Je trouve que c'est un beau médium, puis c'est une place aussi où on peut partager des choses, des idées, des documents aussi. Moi, c'est tout. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? On est tous au jour que tu ne reviennes pas, là, on n'a pas de questions. Ben. Ben, vous allez vous en remettre, là. Karine me demande quels sont mes projets. Ben écoute, j'hésite entre... tourner un long métrage et me présenter à Hollywood comme méga vedette ou retourner en enseignement à mes anciennes amours. Fait que ça va être probablement l'enseignement. Ouais, j'ai le goût d'être plus en contact avec les élèves. Là. C'est ça qui m'a animée au cours des 12 dernières années. Là. Fait que c'est encore là, cette petite flamme-là. Fait que je vais l'attiser pendant qu'elle est encore. Mais le modèle assis, puis juste aller dans les classes des autres, là, collaborer. Là. Comme ça, tu pourrais être libre pour animer les après-cours. Bien, c'est peut-être une possibilité, mais là, il y a tellement d'incertitudes pour moi pour l'an prochain que je préfère ne pas m'engager. Fait que si jamais c'est ça qui arrive, tant mieux. Je serai toujours présente. Là. Parce que je suis quand même orthopédagogue aussi. Fait que c'est cela, mes projets pour l'an prochain. Juste avant, Michel vient de partager le clavardage sa présentation. Là, fait que si vous voulez tout de suite y aller, conserver le lien, faites-le. Excellent. Puis moi, je vais mettre le procédurier de Michel Aymon qu'elle avait partagé l'an passé. J'ai eu son accord. Et puis, je vais terminer aussi en vous parlant un petit peu de la journée pré-congrès. C'est-tu correct si on termine là-dessus? Ah non, il y a Karine. OK. Bien, la journée pré-congrès, c'est un horaire assez rapide. Le matin. Écoutez, je vais mettre ça sur la page, un peu les grandes lignes de notre rencontre. Le matin, on a une rencontre avec la doc. L'après-midi, ça va être plus des échanges. Puis on va faire un gros travail d'équipe sur les mesures adaptatives. Fait que, Karine, je te laisse la parole. Karine Jacques. Alors, bonjour tout le monde. Dans le fond, moi, il y a deux points que je voulais aborder. Je vous ai déjà parlé dans les anciennes rencontres là, du document, du dossier spécial du Carrefour FGA qui veulent l'an prochain faire un dossier spécial sur l'orthopédagogie et que sur le Carrefour FGA, il y aurait un onglet orthopédagogie qui s'adresserait pour les orthopédagogues et les conseillers en adaptation scolaire. Donc, moi, j'ai envoyé à Annick, je ne sais pas si tu peux le mettre sur la page de présentation, à la suite des commentaires et quand je vous ai rencontré ou parlé, et à la suite d'une première rencontre avec Marie-Ève Sainte-Croix, on a ressorti, dans le fond, là, les grands thèmes qui pouvaient être traités. Chacune des onglets bleus, dans le fond, serait une tuile qui mènerait à différents onglets ou différents liens. OK? Donc, dans le fond, là, l'idée, c'est que pour commencer, c'est que dans toutes les tuiles, dans tous les dossiers spéciaux, il y a une tuile qui s'appelle « pour commencer ». Ça s'adresserait à, mettons, pour une nouvelle orthopédagogue ou un nouveau conseiller pédagogique en adaptation scolaire. Donc, c'est quoi notre définition de rôle, les types, les tâches qu'on peut faire? L'idée, c'est d'avoir une idée globale. Et tu sais, genre, moi, je viens d'entendre Sylvie puis Michel, puis mon rôle ressemble moins à ça.
Moi, c'est plus les TES là, qui font ce travail-là, mais moi, je suis vraiment soutien aux enseignants. Donc, l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un portrait global de ça serait quoi les différentes tâches, le titre. On sait aussi que souvent, on est dans le corps professionnel ou dans le corps enseignant. Donc, des fois, ça pourrait, c'est ça. Aussi, quelle est l'aide qu'on pourrait offrir, en fait, aux élèves? Je sais que les orthopédagogues en FGE, du moins, ça ne ressemble pas au rôle qu'on fait au secteur jeune. Mais c'est quoi les différentes choses qu'on pourrait avoir? Et c'est quoi notre soutien enseignant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'idée, c'est d'avoir une communauté de partage, puis de dire, mettons, tous les ateliers qu'on a fait, tous les sujets qu'on a fait, bien, on pourrait le regrouper dans le dossier du Carrefour FGE pour pouvoir s'y référer. Ensuite de ça, on avait pensé à faire vraiment le dossier d'aide particulière, là, étant donné que c'est comme au cœur de nous. Donc, c'est sûr que le plan d'aide à l'apprentissage est concerné. Il pourrait y avoir des outils, un petit peu notre ligne directrice pour que la personne, oui, se réfère au document ministériel, mais que peut avoir différentes façons de l'incliner dans son milieu. Et comment la réception, le cadre légal, tu sais, on joue avec tout ça, avec le dossier d'aide particulière. Ensuite de ça, on pourrait regarder les élèves à besoins particuliers, les référentiels en troubles d'apprentissage. Dans le fond, là, moi, j'utilise encore ceux de CS Laval, ceux de la Rivière-du-Nord. J'utilise mon intervenir pour réussir. Donc, encore là, il pourrait y avoir tous les documents de référence qu'on pourrait remettre là. Et c'est qui nos organismes, avec quel organisme qu'on peut aller travailler. Donc, dans le fond, moi, je suis en train de travailler, mettons, avec Autisme Estrie, je suis en train de travailler avec l'Institut TA. Donc, ça serait peut-être un petit bottin téléphonique aussi, et avec le nom et le numéro de téléphone et les adresses de toutes les personnes qu'on pourrait y avoir. Donc, toutes vous. C'est quoi, dans le fond, pas vos spécialités ou quoi que ce soit, mais si la personne, par exemple, elle a besoin de parler du DAP, bien, y a-t-il quelqu'un qui est solide là-dedans puis qu'on pourrait du moins la contacter? Je pense que moi, ça, bien, moi et les autres, ça nous permettrait d'avoir un grand échange. C'est sûr que le site Facebook, la communauté Facebook, elle est très, très active ou quoi que ce soit, mais de regarder, hey, c'est qui travaille vraiment beaucoup en mathématiques, c'est qui travaille beaucoup en français, en francisation ou quoi que ce soit, bien, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller vers là. Le dossier d'aide financière aux études, là, le 3810, quoi que ce soit, on en a parlé. Je trouve que notre idée de collaboration là, l'an prochain est vraiment, vraiment un beau levier. La démarche pour les aides technologiques, donc, c'est juste hier, je recevais un message de collègues de Laval là, qui demandait est-ce que vous avez déjà fait une démarche, un procédurier ou quoi que ce soit pour un accompagnement. Bien, tout ça pourrait se trouver là-bas. Et la démarche pour accompagnateur et interprète. Puis, le référentiel et matériel orthopédagogique, si vous créez un matériel quelconque ou quoi que ce soit pour les élèves, pour les profs ou des petites capsules, bien, je pense que ça serait intéressant de les mettre là. Donc, c'est mon cerveau, en fait, que j'ai mis sur cette page-là. L'idée, c'est que j'ai vraiment besoin de l'ensemble des gens, l'ensemble de notre communauté. Et puis l'ensemble, en fait, je crois, là, des CP en français, des CP aussi récits, quoi que ce soit, parce que là, on voit que l'adaptation scolaire, les élèves à besoins particuliers, ça n'appartient plus juste à un orthopédagogue ou à un service. Mais il faut vraiment que ça descende aussi là, dans les différentes équipes de travail. Donc, je crois que si on pouvait se faire un beau référentiel, ça pourrait être intéressant. Fait que ça, c'est de un. Et de deux, il y aurait une revue aussi qui pourrait être faite. Donc, si vous avez un thème à aborder, une expérience comme on vient de regarder en atelier, puis vous voulez écrire un article, en fait, on serait vraiment, vraiment preneurs. Pour ça. En fait, j'ai goût de savoir là, pour les 12 utilisateurs, les 7 participants, là, est-ce que ça répondrait à un de vos besoins? Répondez-moi. Bien, moi, personnellement, le fait d'avoir une plateforme comme ça avec tout au même endroit, c'est génial. Là. Parce que, tu sais, oui, on va retrouver des choses sur le Carrefour FGA, on va retrouver des choses sur le site de Facebook, on va retrouver des choses sur l'après-cours, tu sais.
d'être capable de partir d'un endroit puis de faire nos liens à partir de là, là pour moi, c'est, je trouve ça génial. Là. Bien, c'est ça, parce qu'il existe énormément de ressources en FGA. Il y a Moodle FGA, il y a Mara, il y a Pédago Mosaïque, il y a Carrefour FGA. Donc, l'idée, c'est pas d'enlever ces plateformes-là, mais bien d'avoir un lien, d'avoir une page que quand on cherche une question, bien, on va là, puis elle va nous amener directement là-bas. Et ça va demander une mise à jour quand même assez fréquente. Est-ce que, tu sais, parce que le personnel change, les personnes ressources vont changer aussi? Ben oui, en fait, là, tu sais, je crois que de le faire, puis un coup que le gros travail sera fait, ben les mises à jour pourront se faire par le Carrefour FGA là, directement, là. Peux-tu partager ton tableau, Karine? Oui, et je l'ai aussi mis sur la page Facebook des orthopédagogues en FGA. Donc, il se retrouve là, dans les fichiers partagés. J'aimerais vraiment énormément que vous pensiez à quelle pourrait être votre implication là-dedans. Est-ce que ça serait pertinent de se faire une rencontre? T'sais, est-ce que ça serait pertinent que le pré-congrès l'an prochain traite là-dessus? Est-ce que c'est trop loin? Est-ce qu'on se ferait une journée de travail puis on regarderait? Mais je crois tellement qu'on fait des belles choses dans nos centres puis que souvent, on est comme gêné de partager, mais en même temps, c'est tellement riche parce qu'on n'a pas l'impression de réinventer la roue à chaque fois. Là. Il peut peut-être y avoir, Karine, une amorce de discussion au pré-congrès cette année? Bien, en fait, moi, c'est ce que j'aimerais. C'est juste que cette année, je ne serai pas au pré-congrès. Mais je vais être avec vous au 4 à 7, par exemple. Mais il y a l'école du printemps qui est pour le milieu carcéral. Puis en même temps, là, je repense à mon tableau, puis le milieu carcéral n'est même pas là-dedans. Et écoute, ils ont bâti là, du matériel là, épouvantable. Là, c'est vraiment très, très hot qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que je pense que ça serait quelque chose qu'on pourrait regarder. Parce que si on fait quelque chose pour le milieu carcéral, c'est sûr que ça peut être transférable. Hein? Nous, on vise de l'inclusion, de l'accessibilité, donc c'est vraiment quelque chose de bien. On pourrait aussi le rajouter là, dans le tableau. Donc, moi, je fais partie du comité aussi organisateur de la journée pré-congrès. On peut en reparler. Est-ce que c'est un moment dans lequel vous voulez juste apporter des points? Est-ce qu'on en profite pour ramasser du matériel? Comment vous voyez ça? Mais en fait, je suis disponible là, par mon courriel. Je vais le mettre ici. Vous m'écrivez. Je tiens à dire que moi, je ne suis qu'une porte-parole. Je ne suis pas la référence. Je ne suis pas la. C'est juste que j'ai une expertise puis je suis prête à prendre ce dossier-là en lead. Mais je ne veux pas être responsable de tous les articles, tous les documents ou quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas une expertise trop assez grande. Excellent, Karine. Fait que si vous avez des. C'est ma référence, Karine. Ben, je pense que tu es la référence aussi à plusieurs. Moi aussi, là, je vais emprunter les mots de Karine Demers. Merci aussi d'être là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus. Si vous avez d'autres points à rajouter, vous pouvez les mettre dans la boîte de dialogue, vous pouvez les mettre dans le document collaboratif, vous pouvez aussi écrire à Karine. Puis, si vous avez des idées en lien avec ça pour le pré-congrès, la journée est pas mal un peu organisée, mais peut-être qu'en après-midi, on pourrait se garder du temps là, pour discuter de ça. C'est vraiment, en après-midi, quand tout le monde a sa journée dans le corps, là, puis juste prendre un café puis discuter, là. Alors, je vous remercie. Je ne veux pas éterniser. Je veux juste voir si Annick, tu me permets de faire juste le dernier point. En fait, personnellement, je suis à la recherche d'un document ou une ligne directrice à faire pour les élèves qui sont en formation à distance. Alors, on sait qu'ils sont de plus en plus présents là, dans nos centres. J'ai des élèves qui sont en très grand besoin particulier, puis nous, on essaie de plus en plus
d'impliquer les tuteurs, les enseignants dans le processus et de recueillir des informations. Par contre, le suivi est plus difficile en FAD. Donc, si une ortho, une CP qui a travaillé là-dessus, moi, je serais intéressée à partir de ce que vous avez pour un petit peu nous faire une tête. J'ai aussi abordé Claudine Jourdain, Marie-Josée Bibeau, Cathy. Tu sais, j'essayais de poser des questions, mais ça semble être un sujet préoccupant, mais que personne n'a fait une procédure. Donc, si vous en entendez parler, sachez que je serai preneuse. Bien, moi, ce que j'ai vu passer, il y avait la semaine de la formation à distance, il n'y a pas très longtemps, là, par la FADIO, il y avait justement un atelier là-dessus. Je n'ai pas pu y assister parce que j'avais autre chose en même temps. Je ne sais pas s'il y a des enregistrements de ça. Je vais essayer de regarder, voir si je pourrais pas trouver l'information à ce sujet-là. Là. C'est un webinaire vraiment sur le suivi des élèves à besoins particuliers en formation à distance. Bien, parfait. Je vais essayer de me renseigner, voir. Ils doivent avoir mis leur visio accessible, donc j'ai essayé de m'informer de cette façon-là. Mais c'est ça, est-ce qu'on peut avoir le lien de ça ou c'est où qu'on pourrait chercher ça? Je ne sais pas si c'est disponible, je vais m'informer de toute façon, je connais les personnes, là, fait que je vais demander voir s'il n'y a pas moyen d'avoir de la documentation si on a manqué les webinaires. Si je le trouve quelque part en ligne, je vous le partage. Hey, merci beaucoup, Karine. Bien, merci à tout le monde. Je tiens à vous souhaiter un beau printemps. Le printemps arrive vendredi prochain, soit ma fête. Donc, je vous annonce un beau printemps chaud et au plaisir de vous croiser au congrès. Et merci énormément, Cathy, pour ce travail exceptionnel. Ah, t'es fine. Seigneur, c'est une rencontre super positive aujourd'hui. Il y a plein de bonheur en orthopédagogie. Moi, tout ça, ça me donne le goût de vous revoir au mois d'avril. Je pense que ça va être vraiment le fun. Je ne sais pas si, à date, il y a quelques inscriptions. N'oubliez pas de vous inscrire à la journée pré-congrès. Je pense que c'est tout. Il y avait-il d'autres choses, Annick? Non, on a fait le tour. Là, on a débordé. On a fait le tour. Ben oui, on déborde. On déborde. On déborde d'amour, c'est correct. Belle tempête tout le monde, faites attention à vous, puis on se voit au mois d'avril, 15 avril.